Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc comme tu as pu le voir dans le titre pour une vidéo ouverture colis Wish. Mais attention, cette vidéo donc va pas être une vidéo, tu vas voir des soit du make-up, soit des vêtements, soit des bijoux, soit des sacs, des chaussures, des trucs comme ça. J'ai acheté que des conneries, que de la merde entre grands guillemets, parce que ça je me suis fait démonter lors de ma première vidéo Wish, où j'avais acheté des peluches et des trucs comme ça et que c'était inutile, débile, sans intérêt. Et ben ce sont mes choix, voilà, ce sont mes achats, ce sont pas les tiens, c'est ma vie. Ma vie est différente de la tienne, donc merci de le respecter, voilà. Donc j'ai acheté uniquement des trucs qui me faisaient vraiment penser au typique asiatique, c'est-à-dire des conneries du genre un phoque en matière gluante, etc., etc. Je te laisse découvrir. J'ai acheté deux produits de beauté asiatique, on va dire ça comme ça, parce que c'est plus eux quand même qui ont les idées de ce genre de trucs. Et je les testerai lors d'une vidéo sûrement pendant le mois de juin. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse voir les images. À savoir que j'ai tout filmé en façade tout simplement pour que ce soit plus pratique pour toi de voir les produits. Tout simplement parce que les objets sont principalement petits. A savoir donc qu'on les ouvre ensemble, je te donne un avis et on découvre les produits vraiment ensemble dans cette vidéo. Nous revoici donc face table et j'ai tout simplement pensé à prendre mon téléphone pour avoir l'application tout simplement de Wish. Je suis sur mon historique de commande et tout simplement comme ça, ça me permettra d'aller voir directement sur le site le rendu des photos et te dire mon avis donc de ce que je vois, donc de l'objet. Et de mon avis par rapport à la photo du site, parce que comme ça fait un petit moment que j'ai commandé, ben forcément je ne me rappelle pas de tout. J'ai laissé tout dans les emballages, voilà. J'ai juste ouvert pour savoir ce que j'avais à chaque fois reçu et je ne suis pas allée plus loin. Donc en ce qui concerne l'objet, je sais donc ce que c'est vu que je vois qu'il est jaune. Et je suis allée voir donc sur l'application et en fait tout simplement j'ai payé ça que 2 euros parce qu'en ce moment ça fait quasiment maintenant peut-être un an que Wish fait certains objets qui sont marqués gratuits en tant qu'objet et que tu n'as plus que le port à payer. Donc c'est ceci, c'est tout simplement en fait une trousse. Oui oui, je ne mens pas, ceci est bien une trousse. J'ai trouvé ça tellement original en fait que je trouvais ça génial, voilà. Oula, à mon avis, la fermeture éclair a un problème. Ça, ça arrive assez souvent, je trouve, dans les trucs chinois comme ça. Hop là. Voilà. Et tout simplement, voilà, la petite trousse. Donc, il y a une matière assez douce à l'intérieur, comme une vraie trousse, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je trouve ça trop, trop fun. Puis, je sais pas, je trouve ça pratique que ça puisse être plat, comme ça, tu peux... Puis, quelqu'un qui va voir ça dans son sac, il va pas penser du tout que c'est un porte-monnaie, quoi. Si tu, voilà, si la personne aperçoit ça dans le sac, il va se dire oh, c'est un truc de bouffe, je connais pas, et puis basta. Mais non, c'est bien une petite trousse, donc elle n'a coûté que 2 euros. Et moi personnellement, j'en suis satisfaite. Alors, quand on regarde la photo sur le site, je cite, voilà. Alors, que je retrouve la bonne photo, je te l'ai mis à côté comme ça, tu vois en même temps ce que je fais, c'est plus simple et c'est plus mignon. J'avais craqué aussi sur. Ah, non, reviens là, sur celui-là. Celui avec les cookies, je sais pas si tu verras bien, ou si tu devrais plutôt bien voir. J'ai hésité, donc c'est marqué Coffee Cookie. Il y avait deux notes, lemon, je ne l'aimais pas trop cookie, non. Mais ça, il me faisait vraiment trop triper, Yellow Egg, donc c'est le nom de l'objet. On va donc zoomer pour voir à peu près. Alors, si on regarde bien sur l'image, je ne sais pas si je te mettrai ou pas à côté, mais en fait, si on regarde bien sur l'image, le point net et tout ça, c'est au milieu, là, c'est sur les bords. Oui, bon, bah, je ne veux pas chipoter pour ça. Pareil, là, l'écriture qui était censée être en dessous de la couture, voilà, mais après, French Delicious, ouais, les lettres sont plus collées ici que sur l'image. Mais bon, personnellement, c'est pas ça que je vais chipoter. Puis pour 2 euros, je trouve ça plus que correct. L'important, c'est que ça ressemble vraiment à ce que j'ai commenté. Et puis là, vraiment, pour le détail, que ça soit plus compacté ici qu'ici, que ça soit pas au centre et que là, le mot soit écrit sur la couture. Voilà, hein. Franchement, personnellement, pour l'instant, je valide. Donc, un objet et je sais plus combien on en a. Je crois qu'on en a quasiment une dizaine. Hein. On enchaîne avec ceci. Qui est tout simplement un objet, on va dire, de torture. Ouais, ouais, je déconne pas. C'est un objet de torture. Mais c'est asiatique et je trouvais ça fun. En fait, c'est tout simplement ceci. Voilà. Donc, c'est tout simplement fait par rapport au double menton. Et je pense que, hein, soyons honnêtes, tu avais vu que j'avais un double menton
dû à ma prise de poids. Et donc forcément, j'ai tout simplement voulu tester. Je me suis dit que ça pouvait être fun de faire une vidéo test comme ça d'objets, on va dire, de beauté asiatique. C'est ça, c'est plus à l'inspiration quand même asiatique. Et ça, donc, je l'ai payé que 3 euros. Donc, j'ai payé que la livraison. L'objet en soi était gratuit. Voilà. Bon, en fait, c'est vraiment n'importe quoi parce qu'ils mettent un frais de port de 3 euros. En fait, le produit, voilà, tu mettrais le prix du produit, ce serait la même. Donc, au niveau de la couleur, par contre, je ne voyais pas ça aussi brillant. Voilà. Je pensais plus que ça allait être dans les tons cuits, mais mat, mais pas brillant. Après, voilà, ce n'est qu'un détail. Au niveau de l'illustration, que je regarde ça, bon, ben, ça a l'air de ressembler quand même. Bon, à part peut-être là le fait que la couture paraisse un petit peu bizarre, mais après c'est à voir sur mon visage. De toute façon, il y a un autre objet aussi comme ça de beauté, on va dire asiatique, que j'ai acheté. Enfin, je dis asiatique, hein, si ça se trouve je me plante complètement, mais bon. Mais toujours est-il que, enfin, j'ai vu ça sur des sites asiatiques. Voilà, soyons honnêtes, j'ai vu ça sur des sites asiatiques. Toujours est-il que ça et l'autre objet, je ferai une vidéo spéciale, on essaie ça ensemble et puis voilà. Donc à l'intérieur c'est comme ça, ok, et il y a toujours les trous, et par contre, ouais c'est ça, en fait il te montre ça ici, mais on a l'impression en fait qu'on peut, que ça a l'air d'être plus loin, en fait t'as pas vraiment de, là t'as l'impression en fait tu peux le scratcher n'importe où, je sais pas si on verra sur l'image, en fait on a l'impression qu'on peut le scratcher n'importe où, et en fait non, il y a carrément un endroit, voilà, il y a... Ah non, tu peux vraiment le scratcher n'importe où. Ok, autant pour moi, fallait vraiment essayer le bazar. C'est pas mal en fait du coup, c'est la matière qui fait que... Ah ouais, d'accord. Bon, autant pour moi, j'ai rien dit. Donc, deuxième objet, validé. On va donc continuer avec ceci. J'essaie d'alterner en fait les produits, enfin la forme des objets et ce que c'est. Donc, en ce qui concerne ceci, c'est le machin vert et c'est tout simplement ceci. Oui, j'ai vraiment été dans le côté un peu olé olé du, enfin, de l'Asie. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est juste un truc en fait de plus ou moins de déstressement. Ça m'a coûté 2 euros. Et voilà à quoi ça ressemble au niveau du packaging. On va ouvrir ça ensemble, voilà. Ah, donc on peut le mettre au niveau de son portable, vu qu'il y a, voilà, un petit bitonio. Et en fait, voilà, tu presses et tu fais sortir le petit pois. Voilà, hop. Ah, il veut pas montrer son visage. Ah, si. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà l'objet d'un peu plus près. Donc tu peux constater donc qu'il y a carrément deux petites chaînes. Lui, le fil là paraît vraiment plus fragile que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Pareil, la chaîne là, je mettrais moi personnellement les deux si je devais l'attacher. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Tiouk, tiouk et pout. Alors moi, ma question est, est-ce qu'on peut arriver à faire sortir les autres? Oui. Bon après, oh ben l'autre il n'a pas de visage. Oh non, on nous a arnaqué. Il n'y a qu'un visage? Ah bah ouais. Mais c'est trop rigolo. En plus, la tête qu'il a. Puis, voilà. Bon, bref, toujours est-il, je trouvais ça fun. Et voilà, donc, troisième objet, validé, même si ça, moi, je te dirais de faire attention pour les deux petites chaînes, parce qu'à mon avis, il vaut mieux mettre les deux en même temps. On va continuer donc avec un article qui va, à mon avis, énormément me décevoir, tout simplement parce que quand j'ai ouvert... l'enveloppe, je voyais très bien que j'allais être déçue et celui-là c'est le seul que j'ai sorti pour vérifier certaines choses et pouvoir te le présenter correctement. Donc en fait ce sont tout simplement ceux-ci. Ah. Oui, bon si tu veux. En fait ce sont tout simplement des petits forts comme ça mais qui sont tout mous et avec lesquels on peut jouer. Entre parenthèses, sauf que si tu regardes bien les photos, tu constates quand même qu'ils sont assez volumineux. On est d'accord, ils sont assez volumineux. Et en fait, celui-ci, celui que j'ai reçu, c'est pas vraiment le cas. Il est plus aplati qu'autre chose. Je l'ai reçu il y a 2 semaines, donc il n'a pas repris sa forme initiale, on va dire. Il est même déchiré au milieu, plus ou moins. Je sais pas si on verra. Bon, non, en fait, c'est plus une griffure, un petit truc abîmé. Mais en fait, il ne...
Il ne revient pas gros comme sur l'image. Il est vraiment très très plat. Hop là. Donc voilà. Après, c'est voilà, c'est comme c'est promis. C'est une matière très élastique. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que moi, je m'attendais vraiment à avoir un truc un peu plus comme ça en fait. Hop. Plutôt que je voyais plus comme ça que comme ça. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est toujours aussi rigolo comme matière. Voilà. Hop. Et je trouve ça fun en fait de pouvoir l'étirer dans tous les sens et ça reprend vraiment sa forme. On a vraiment l'apparence des nageoires de dessiner, de former. On a même les petits triures au niveau de la queue pour faire vraiment un aspect rayé. Et je trouve que même limite la matière dessus, on a l'impression vraiment que c'est vraiment la peau. La peau de l'animal, donc je trouve ça marrant. Enfin, je veux dire, la peau assez irrégulière, etc. Donc voilà, en ce qui concerne le petit article. Donc sur les 4 que j'ai eu, c'est celui que j'aime le moins. On continue la vidéo avec le deuxième objet de beauté, du coup asiatique. Alors je suis désolée, hein, ça a fait des taches le phoque juste avant. Et c'est tout simplement ceci. Je ne sais pas si tu verras très très bien. En fait, c'est quelque chose pour casser la graisse plus ou moins. Et je me suis dit ça pourrait être plutôt marrant à tester. Et puis, comme en fait, il y a 3 parties, dont une aussi pour au niveau du menton. Je me suis dit que peut-être que ça serait la solution pour mon double menton que j'ai. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Et donc c'est à monter tout simplement. Hop. Voilà. Ouais. Ah, peut-être que... Non, je vois pas. Ah, je viens de comprendre. Voilà. Hop. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, je le testerai dans une vidéo avec l'autre masque. Je trouve ça trop marrant. En tout cas, les trucs roulent bien. Donc là, déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. On va terminer la vidéo avec ce dernier colis et qui est l'objet vraiment le plus, on va dire, insolite de cette vidéo. Mais en fait, j'avais vu tout simplement sur un compte Instagram d'une maison d'édition manga et je me suis dit ok, il m'en faut un aussi. Voilà, c'est tout. Vous êtes prêts? Voilà, c'est ça. C'est cette petite chose. Oh, c'est tout gras, ça fait des taches, c'est horrible. Et c'est tout simplement, bah, je pense que tu as très bien compris ce que c'était. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que tu as totalement compris ce que c'était. Voilà. Oh, il y a un trou. Il y a une petite fesse aussi, c'est très mignon. En soi, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est en fait la maison d'édition Taifu qui en a un et qui le met dans ses photos. Je trouvais ça tellement fun que voilà. Et alors après, c'est pareil, c'est le même principe que le phoque. C'est une matière... Voilà. Et moi, c'est tout simplement pour le poser sur mon étagère avec les yaoi derrière. Voilà, voilà. Donc, le voici d'un peu plus près. Et ce qui est vraiment mignon, c'est qu'il a carrément un petit sourire. Voilà. Petite fesse. Je veux pas savoir ce qu'il y a eu là-dedans, hein. Mais voilà. Cette vidéo sur le site Wish est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et que j'aurais pas perdu des abonnés en cours de route. Mais sinon, c'est juste que t'as pas compris. Enfin, voilà, que tu... J'ai pas envie de dire des mots parce que ça... Ça me retomberait forcément sur la gueule, mais bon, voilà, hein, c'est pas parce qu'une vidéo comme ça, d'une commande, te plaît pas que faut se désabonner. Moi, je trouve ça débile. Mais bon, toujours est-il, à savoir, donc là, le jour où je filme, j'ai refait une commande Wish, je suis en train de commencer à recevoir déjà les produits, mais comme j'ai fait une petite commande avec 6-8 trucs, je vais attendre tout simplement parce que je pense que d'ici début juin, je vais sûrement repasser une commande et donc je te ferai une vidéo spéciale en fin juillet, je pense, avec tous les produits, etc. On ouvrira aussi ensemble les produits, je te donnerai mon avis et compagnie. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as vu cette vidéo, à me donner des conseils pour améliorer pour la prochaine fois. Et à savoir que je te ferai aussi une vidéo sûrement dans l'été avec les vêtements que j'ai acheté. J'ai acheté pour l'instant un sac, mais je pense que je vais en racheter un. Et tout ce qui va être collier, etc., que j'ai déjà acheté, te faire une vidéo compile là-dessus, te montrer les vêtements portés et au niveau des bijoux comme ce collier que je porte, te faire un récap en fait de est-ce qu'ils ont tenu ou pas, parce que je pense que les colliers ils doivent avoir au moins 2 ans, donc voilà, ça fait, je les porte assez régulièrement, je pense que tu as vu dans les vidéos, donc ça pourrait permettre tout simplement de te faire un récap, surtout après 2 ans d'utilisation.
pas forcément tous les jours, mais quand même assez régulièrement. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, je te retrouve fin juillet, logiquement, pour une nouvelle vidéo Wish. Sur ce, à bientôt !